enfin, très sincèrement, dans tout ce qui est travail sur le terrain, pour moi, il n'y a pas de différence. Tout ce qui est exigence, tout ce qui est travail, tout ce qui est compétition, il n'y a aucune différence. Pourquoi ne pas être aussi autant exigeant avec un garçon qu'avec une fille? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. En plus, je peux vous dire qu'elles aiment travailler, elles aiment la compète. Donc, je travaille de la même manière, je vais vous dire très simplement, je travaille avec la même exigence avec les filles aujourd'hui que j'ai travaillé avec la même exigence à Lyon. Et qu'à Lyon, j'avais des compétitrices, j'avais des joueuses qui avaient gagné des Ligues des Champions. Voilà. Si on commence, nous, en tant qu'entraîneur, à lever le pied parce que c'est des filles, non, c'est pas l'intérêt. Ça doit être des compétitrices. Et donc, elles doivent travailler jusqu'à leurs possibilités. Après, dans l'aspect humain, c'est différent. Voilà. C'est différent. Je pense que les filles ont besoin de plus d'explications, ont besoin de faire attention aux mots qu'on emploie, et ça c'est important, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus dans l'affectif, et ça c'est pour moi c'est bien aussi, mais en même temps, voilà, à côté de ça, c'est des compétitrices, des joueuses de foot, et dans le travail, il n'y a pas de problème, vous pouvez leur demander d'aller bien plus loin de leur capacité.